Bonjour, je m'appelle Sarah Mathieu-Soucy. J'ai gradué du baccalauréat en mathématiques de l'Université Laval en 2012 et je suis présentement spécialiste en programme scolaire à la Russian School of Mathematics, tout près de Boston, au Massachusetts. À l'origine, j'ai choisi le baccalauréat en mathématiques parce que les mathématiques ont toujours été ma matière préférée à l'école et je me voyais vraiment pas dans aucun autre programme. Et c'est vraiment pas un choix que j'ai regretté. J'ai vraiment eu 3 belles années à l'Université Laval. Et le programme était vraiment bien structuré pour qu'on puisse choisir les cours qu'on aimait le plus. Donc, on a pu personnaliser notre programme en ce sens-là. Et l'atmosphère au département a toujours été très positive et l'association étudiante a toujours été très active. Et quand il était le temps pour moi de choisir qu'est-ce qui venait après mon baccalauréat, j'ai choisi de faire une maîtrise en mathématiques avec option didactique des maths à l'Université du Québec à Montréal. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l'enseignement, l'apprentissage des maths, donc c'était l'opportunité pour moi d'adresser ces questions. Et par la suite, j'ai décidé de continuer au doctorat, toujours en didactique des maths, à l'Université Concordia, en collaboration avec une chercheure de l'Université Laval. Au travers de toutes ces années d'études graduées, j'ai eu la chance de voyager énormément, de rencontrer des chercheurs, des mathématiciens, des éducateurs de partout dans le monde. Et toutes ces années m'ont aussi fait réaliser à quel point mon baccalauréat en mathématiques avait changé qui j'étais, non seulement en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que professionnelle. J'ai réalisé que ça m'a donné énormément de confiance en moi en ce qui concerne la résolution de problèmes et aborder des défis. Et ça a aussi beaucoup amélioré ma manière de raisonner d'une manière rigoureuse et de structurer aussi mes pensées. Et à la fin de mon doctorat, et pour des raisons personnelles, je suis déménagée aux États-Unis et c'est à ce moment-là que j'ai été recrutée par mon employeur actuel, la Russian School of Mathematics. Et j'ai été recrutée à cause de mon doctorat en mathématiques et en éducation, donc en didactique des maths, mais aussi à cause de mon baccalauréat en mathématiques. Donc, sans ces deux diplômes-là, j'aurais jamais eu l'emploi, je ne serais pas où je suis présentement. Présentement, mon emploi a 3 volets. Donc, premièrement, je fais de la révision et du développement de curriculum de la maternelle à la 10e année. Je fais aussi des projets de recherche en lien avec nos classes, nos enseignants et nos curriculums. Et finalement, je suis aussi enseignante. Et c'est vraiment la partie de mon travail que j'aime le plus. Et la philosophie derrière nos curriculums est qu'on veut que les élèves non seulement aiment les mathématiques, mais développent leur capacité à réfléchir, leur rigueur, à structurer leurs pensées. Donc vraiment, ce que moi j'ai développé durant mon baccalauréat en mathématiques, notre but, c'est d'aider les élèves à développer ces mêmes qualités-là le plus tôt possible, tout en essayant de leur faire voir à quel point les mathématiques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement, le choix que j'ai fait de faire un baccalauréat en mathématiques a vraiment ouvert beaucoup de portes. Je ne serais pas où je suis présentement. Je ne sais pas qui je suis aujourd'hui sans mon baccalauréat en mathématiques.